Il y a une rubrique dans cette émission qui s'appelle Costard de Star, où on taille des costumes aux stars. Vous promettez de ne pas vous vexer? Non. Parce que sinon, je me casse, moi. Alors, on regarde le Costard de Star. Monsieur, que pensez-vous de Philippe Bouvard? Je ne l'aime pas beaucoup. À votre avis, vieux crouton, c'est parce qu'il est petit qu'il est agressif? J'en sais rien. Non, il n'est pas agressif. La taille n'a rien à voir là-dedans. Donc pour vous, vieux débris, les personnes petites ne sont pas forcément agressives? Mais pas du tout. Pas du tout. Bah dites-le. Elles ne sont pas du tout agressives, pas forcément. Comme les autres, comme les grandes. Et moi, vous me trouvez agressif, connard? Non. Non, le vocabulaire un peu, mais c'est pas grave. Philippe Bouvard, j'en ai pensé beaucoup de choses et puis plus grand-chose. Je sais pas, vraiment. Pourquoi? Je sais pas, je l'ai regardé quelques fois. Je trouve que c'est un humour, d'accord, mais pas de grande volée. À votre avis, à votre avis, vieille peau, c'est parce qu'il est petit qu'il est agressif? Oh, alors ça, voilà une question très importante. Venez-vous, j'ai pas la journée non plus, hein. Pardon? Dépêchez-vous de répondre. Oui, je crois pas. Monsieur, que pensez-vous de Philippe Bouvard? Du mal. Du mal. Beaucoup de mal. Pourquoi? C'est long. Ce serait long à dire. Vous pensez que c'est parce qu'il est petit qu'il est agressif? Ah, j'avais jamais pensé qu'il était petit. Je savais pas qu'il était petit, en fait. Mais dites-vous le cul de répondre, j'ai pas que ça à foutre non plus. Il est petit? Vous allez vous faire foutre. Votre avis, vieille morue, c'est parce qu'il est petit qu'il est agressif? Non. Ça n'a rien à voir. Vieille morue, c'est pour lui, c'est pour moi ou c'est pour vous? C'est pour vous. Merci. Vous pensez que c'est parce qu'il est petit qu'il est agressif, grand con? Oui, je pense, oui. Oui, je pense, oui. Bah oui, la preuve, regarde, toi, c'est un petit... Vous trouvez agressif, connard? Ouais. Vous pensez que les petits sont forcément agressifs, connard? Non, abruti. Bravo. Laurent Baffi. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.